J'espère que vous allez bien. Merci pour les cadeaux. Merci, merci. Bon, vous avez vu, c'est dimanche comme d'habitude. Merci beaucoup, Eliane. Merci beaucoup. Donc les huîtres, comment je vous expliquais, nous tournons.
poissonnier là. Moi je lui demande, tu veux t'ouvrir. Hein. Ça ouvrir là. Tu peux te couper très mal. Donc vous mangez quoi? Ma grande sœur Amina a dit qu'elle a fait les beignets haricots. Nous ici, on va prendre des huîtres. Très bon filet de sol. Mes filets de sol là, vous savez comment je vais les faire. Donc je vais faire une farce avec de l'ail, du basilic, du persil. Et je vais mettre dans mon filet, c'est-à-dire que je vais étaler mon filet de sol comme ça. Et je mettrai la farce d'ail, basilic, persil. Et puis je vais enrouler, je vais faire une roulade. Et pour que la roulade tienne, vous mettez les cure-dents. Voilà, vous percez les cure-dents comme ça pour que ça tienne. Et ensuite, vous faites cuire à la poêle, même au four hein, si vous voulez. Hein. Moi, je vais faire cuire à la poêle avec du beurre. Envoyez les cœurs. Si vous voulez voir la recette, envoyez les cœurs. 5000 likes, je fais la recette en live. Il faut vous faire travailler. Bye bye chérie. Vous êtes connecté d'où? Merci beaucoup Francia, merci pour les cœurs, merci pour les dons, merci pour les fleurs. Oh, oh, oh. Maman, envoyez-moi l'argent, envoyez les cœurs. Ouh, il y a une champagnarde qui est là. Maman, envoie seulement les roses. Aïe, voilà les vraies filles. Les vraies filles d'Afrique, les vraies filles de Kundakiti. Voilà. Maman, envoie les cœurs pour m'encourager. Hein? Votre sœur est là. J'en suis juste non. Quand tu partages la vie d'un épicurien, c'est comme ça. S'il veut manger les huîtres tous les jours, tu manges les huîtres avec lui. Quand tu vas au quartier, tu doses ton gombo bien, ton comble dans la mamie, là, bien pimenté. Hein? Tu te comportes avec lui. C'est prêt. Profitez. N'attendez pas seulement les fêtes. HP ML. Ben oui, ben le sourire, on l'a retrouvé depuis. On va à 2 ans là. Tu me suivais pas depuis? Tu es resté dans le film d'horreur. Ah non. Je suis Verseau. Nous sommes à l'ère du Verseau. Le Verseau, en ce moment, ne reste pas dans les films d'horreur. Voilà. Verseau ne dure pas dans les films d'horreur. Donc ce que vous avez vu là, ça a duré, on va dire, une semaine. Après, j'étais debout. Ah oui, j'étais debout. Debout. Donc ça fait 2 ans, donc tu comprends que ma princesse, je suis très, très loin. Moi, je cuisine beaucoup avec ces petites tomates-ci. J'aime beaucoup ces petites tomates. Vous pouvez les manger comme ça simplement. Elles sont sucrées. Elles sont bonnes en salade, elles sont bonnes à tout. Salade, mixée, entière, elles sont très très bonnes. Envoyez les cœurs, à 5000 likes, on commence à raser. Le dimanche, on a notre poissonnier qui est ici dans notre village. Donc nous, on prend tout. Passons les filets de bar. Je vais les mettre au congélateur et les mangerai demain ou après. Quand vous prenez votre poisson chez le poissonnier, il faut qu'il vous marque la date. Merci beaucoup, Lala. La victoire. Merci. Ah oui, il y a beaucoup d'enfants.
beaucoup d'anges de lumière qui me suivent maintenant. J'aime beaucoup. Donc je poissonnais, on a pris des filets de sol, du bar. Là c'est du saumon pour ce soir. Pour demain, on en a encore. Donc le poissonnier a pas tout ici. Hein. Avec tout ce qui se passe, on a mangé frais pour le jour. Donc on a deux tranches de saumon. Vous ne voyez que le job dans les deux là, il faut faire aller bailler, c'est où il fait tous les jours. Hein. Il ne congèle pas, il garde au frigo comme nous. Nous on baille, on charge au frigo là. Ma grande ça Aminata. Nous on baille un couteau congélateur, oh, même si ça c'était un mois là, quand on sort, on chope sans problème. J'ai aussi les crevettes. Aussi de m'envoyer mes crevettes fraîches. Moi-même, je vais décortiquer. Il veut pas et puis les décortiquer, c'est comme vous voulez. Bien, voilà, ça c'est les gens qui sont vraiment intéressés. Bonjour, je m'appelle Isabelle Jondot, je suis docteur en pharmacie et ambassadrice de la communauté Chère aux Maisons. Voilà mes soeurs épicuriennes qui sont vraiment internées. Niacine permet de intégrer. Ah, tu mets un peu d'aneth aussi. Oui, quand j'en ai. Notamment dans les œufs, le poulet, très bon. Les céréales ou le saumon. En donc, comme je vous ai dit, moi je vais faire apaisant, les filets de sol. Et sujette avec un bon vin blanc. Le niacinamide régule. On a le bon chablis. C'est bon. On a un très bon chablis. Brune et rougeur. Voilà. Unifie le teint et resserre le. On dit que TikTok. On dit que TikTok coupe. Quand tu mets le vin, quand tu mets un verre, TikTok coupe. Avec un bon chablis. 10% cuivre et zinc. Ça va être avec un très bon chablis. Sur une peau propre, matin et au soir. Également dans notre actif cosmétique niacinamide. Que vous allez pouvoir utiliser dans votre routine beauté mélangée appliquée. Donc, comme je vous ai dit, mes filets de sol. On va arrêter la musique. Mes filets de sol. Ah, je vous ai dit. Voilà. Là, il veut restreindre à certains publics. Parce que j'ai montré la bouteille de Chablis. Voilà, ils ne lâchent pas. Hein. Agnès, oui, merci beaucoup Agnès pour le partage. Tapoter. Maman, ça m'a mis 500 likes. Hey! Dimanche là. Vous êtes comment aujourd'hui là? Tapoter. Vous mettez good like. Tapotez, vous mettez. Voilà une qui pense que ma vie, c'est seulement parler de Lady Ponce. Quand tu as vu Lady Ponce là, elle a mon standing de vie. Parce que c'est vous qui avez donné la force à cette fille de me spolier, de mes biens, de me voler. Tu viens dans mon live où je donne mes cours de cuisine aux épicuriens.
à mes princesses pour qu'elles apprennent à bien garder leur maison. Tu viens me parler d'une fille qui n'a pas de vie seulement parce qu'elle chante. C'est vous qui pensez que quand quelqu'un ne chante pas ou bien quand quelqu'un fait un métier comme le mien, métier de bouche, pourtant je gagne très bien ma vie par rapport à elle, ça veut dire que je ne vaux rien. Parce que dans vos têtes des villageois là-bas au pays, vous êtes dans le cœur, oui, un cuisinier ne gagne pas bien. Il vous dit qu'un chef ici qui a fait ses études gagne très bien sa vie. Même s'il travaille seulement en extra, qui fait des extras, c'est même en travaillant comme extra partout, qui gagne très bien sa vie. Tu étais sa domestique, non? Oui, parce qu'elle peut payer une domestique. Quand tu la vois, elle peut payer une domestique en Europe. Hmm? Tes enfants, tes petits-enfants seront domestiques en Afrique, hein? Pas ici en Europe. Voilà. Parce que vos histoires de Congo, ça que vous faites, une fille qui est incapable de payer même ses pauvres dans ça, 15 000 francs CFA au Cameroun, incapable de soigner, voilà une qui est retenue en otage parce qu'elle a dû fuir la galère, donc elle ne peut pas payer ses danseurs. Donc, pour toi, tu penses que... Oui, chérie. Je ramène les huîtres maintenant. Ok. Tu penses qu'elle peut payer une domestique en Europe? C'est comme ça que vous mettez sur les réseaux sociaux, vous manquez de respect aux gens pour rien. C'est pas à moi que tu manques de respect, parce que ce que tu dis là, ça te reviendra à 77 fois facette. C'est toi qui seras domestiqué quelque part, ou tes enfants, ou tes petits-enfants. Ça, je te le dis. Donc, ne reviens pas dans mon live quand je fais des vraies choses. Voilà, que je donne des conseils à mes petites sœurs, à mes épicuriennes, aux épicuriens, quand nous on fait les vraies choses pour nous ramener au quartier. Voilà. Donc, arrêtez de nous ramener en arrière. Parce que vous, les enfants de Satan, vous roulez toujours dans la boue. Quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans, toi, tu nous ramènes ça maintenant. Tu nous vois manger les huîtres, manger les filets de sol. On boit les bouteilles de vin à 50 euros. Toi, tu viens nous parler d'une fille qui boit le mousseau ou bien qui arrache, qui décapsule les bouteilles de bière avec les dents comme ça. Un soir, on peut nous une gaz et tout, machin truc. Idiota. Donc, nos filets de sol, je reviens. Hein. Je reviens, je vais d'abord servir. Hein, Fouda? Vous voyez même quoi? Vraiment quelqu'un. Hein? Elle vient nous parler d'une fille qui s'assoit au bar avec ses copines. Un soir, elle décapsule la bière comme ça, là, avec les trucs. Donc, nous avons des très belles charlottes et des carottes. Nous allons faire une belle purée. Vous voyez quoi? Attendez, c'est d'avoir à manger à mon petit. Je vais les laver. C'est comme ça que vous dites que moi, je suis votre star. Quand j'ai fait mon direct, je parle de ma cuisine, je danse. C'est vous-même qui amenez le nom de votre star ici. C'est vous-même qui amenez le nom de votre star ici. Après, quand elle va la laver, vous avez dit que « Oh, moi, je la lave. Oh, je suis haineuse. Oh, 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 oh. » C'est vous qui venez dans mes lives. Si vous l'aimez tellement, voilà la juju. Si vous l'aimez tellement, quand vous connectez sur mon direct, comme ça, vous voyez que je parle de cuisine. Passez votre route. Si vous voyez que je suis connectée, je parle de mes combats patriotiques. Passez votre route. Ne venez surtout pas mettre son nom. Ne venez pas si vous l'aimez. Mais vous ne l'aimez pas. Parce que vous savez très bien que mes directs là, c'est toute l'Afrique, c'est le monde entier qui regarde. Et si vous mettez son nom, il va seulement étaler sa minable vie. C'est ce que vous voulez. Continuez à venir. Donc, je vais nous faire une bonne purée. D'accord. Voilà. Une bonne purée. Et tout. Voilà. Une bonne purée. C'est un dieu de purée. Ça veut dire que je vais faire bouillir mes pommes et mes carottes. Du beurre, un peu de lait et un peu de persil. Avec les filets de sol, comme je vous ai dit tout à l'heure, que je vais faire piler l'ail, un peu d'échalote, basilic, persil. Et je vais farcir. Vous voyez? Mon filet, il est déjà bien roulé. Nous, on mange à la carte ici. Hein. Voilà, ici, c'est un restaurant étoilé à la maison. Voilà. Celle-là qui a fini de tourner, son malaxé, je ne sais même pas si elle a l'huile chez elle ou bien machin, si elle a même déjeuné le matin. Elle vient me parler d'une bordée qui pourrit la musique camerounaise. Hein, tu veux salir mon direct. Il n'y a pas de problème, je descends au quartier quand il faut.
Mais j'essaie d'avoir à manger à mon nom. Merci beaucoup. Merci. Florian, tiens, alors ça jusqu'à. Maman, les filles, servons d'abord à manger à nos gars. Sinon, tu vas aller commencer à venir. Tu dis que c'est quoi ce bordel? Je vais manger. Non? Merci beaucoup. Nous, on cuisine à la carte. Les petits gars, et vous voyez les gens qui viennent souvent vous provoquer là, faut souvent cliquer sur leur profil. Hein. Vous voyez, en général, ce sont les proches du chef, ou alors ce sont les filles que quand tu la vois dans les cancans pour serre ou sous quartier là-bas. Tu veux le bol? Alors, tu veux le bol, Angie? Je te fais le bol la semaine prochaine à la maison. Je vous ai dit, là, m'avait d'abord servi les huîtres au bout, hein. Voilà. Donc, les huîtres, là, avec un peu de vin, ça va le caler un peu, ça le calme. Voilà. Hein? Je cuisine. Après, je fais la sole, les pommes, là, vite fait et tout et tout. Je reviens. Je vous laisse avec un peu de musique. Vous aussi, quand quelqu'un vient nous provoquer comme ça dans notre live, lavez la personne. Oh, vous êtes très bien élevé. Je vous mets Maurice Djoumé. C'est dimanche. Thank you.
Il n'y a que ça là comme distance. Il faut qu'il se couvre là-bas, me voir là-bas en bas. Je suis logé là-bas, c'est bien chaud là-bas, dedans, ils m'ont nourri bien. Voilà. Bon, je vous reviens. Je suis un peu plus de temps.
la sonne, d'accord? À tout à l'heure. Bisous.